Salut, content de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2024. Mais vous êtes loin là, rapprochez-vous de moi là. Ah, c'est mieux quand même. La magie de la vidéo. Bon, bah écoutez, nouvelle année. Bon, vous avez vu, hein, c'est la reprise pour moi. Ça fait 3 mois pratiquement que j'ai pas pêché. Voilà, vous avez vu la dernière vidéo au fin décembre, avant les fêtes. Et puis bah là, il était temps quand même que je me bouge un peu les fesses. Et surtout que demain, j'ai une compétition carpe dans mon cou et j'avais vraiment envie de ressortir un peu le matos, reprendre les automatismes parce qu'on les perd vite, mais bon, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo, on apprend vite. Mais dans la saison, on va commencer aujourd'hui au feeder, donc une canne aux méthodes, une canne à la cage. La particularité cette fois-ci, comme les eaux sont encore froides, on est début mars, je veux pas faire de bruit, peut-être que les poissons sont déjà établis, donc je veux pas faire de bruit. Je sais que je suis sur une zone sur un poste que je connais bien. Si vous suivez mon actualité de vidéo, vous devriez reconnaître le poste. Comme je dis toujours, hein, quand on connaît un poste qui tourne dans des saisons hivernales, c'est pas dommage de ne pas en profiter. La différence au niveau approche aujourd'hui, c'est que donc j'ai pris des vers de terre. Oui, j'ai pris des vers de terre. Ouais, j'ai aussi pris des asticots, j'ai enfin réussi à en trouver. Du blanc, du rouge. Ils sont vivants. De toute façon, une fois que j'aurai fini mes sessions de pêche, dans le congélateur, sous vide, terminé. Comme ça, j'aurai des asticots morts plus tard, avec mon amorce que j'aurai congelée. Parce que l'amorce congelée, ça marche, ça en fait rire quelques-uns, mais bon, ça fonctionne. J'ai aussi, bien sûr, vous allez le voir dans la préparation de mon amorce, un mix au pain et au frolic, donc que je suis en train de tester. Donc là, vous avez dû voir dans les différentes, sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé, j'ai fait quelques photos. Bien entendu, je vous partagerai la recette et surtout les proportions, c'est surtout important parce que c'est ce qui fait la réussite du mix ou pas, quoi, dans la façon de travailler. Mais avant de vous partager la recette, j'ai vraiment envie de tester, c'est la moindre des choses. Et si ça fonctionne, je vous partagerai sûrement fin d'année, on verra, ou en fonction de l'actualité et du temps que j'ai. Sur ma ligne 2 à la cage, on va utiliser pour commencer une petite cage. Alors, pour commencer ma pêche, ce que je vais faire, parce que d'habitude j'envoie des particules avec une grosse cage, comme je vous disais, j'ai pas envie, donc je vais utiliser une cage feeder pour envoyer un peu d'amorce que j'ai préparé. Et une fois que j'aurai lancé 4-5 cages, on verra en fonction de truc, je passerai ensuite avec, je pêcherai avec des windows, un bouquet d'asticots, de vers de terre, j'ai même pris du pain, j'ai du pain aussi, enfin, du pain de mie. Hein, c'est l'hiver, les eaux sont froides, faut pas négliger le pain, c'est super bien. Et du côté méthode, donc je vais essayer ça parce que je ne l'ai pas encore pêché avec. Je les avais achetés l'année dernière, mais je n'ai pas eu l'occasion de les essayer. Donc je vais essayer, je vais commencer à amorcer quelques cages avec ça sur le spot. Et ensuite, je passerai avec mon petit méthode feeder, avec les bonnes lèvres ici pour pêcher pour que le mix reste dedans. Je commencerai avec mon mix au frolic. Et ensuite, une fois que j'aurai établi, ça va dépendre des réactions des touches, mais bien sûr, j'ai fait du pelé de 2 mm, comme vous pouvez le voir. Voilà l'approche aujourd'hui, on va pêcher 2-3 heures. Je vais essayer de vous partager un petit moment, on va essayer de faire du poisson. Le but de pêcher l'asticot, bah, c'est de faire un petit peu de blanc, on va bien voir, hein. Il y a plus de chances de faire de blanc que de la carpe, on ne sait pas. Ça va dépendre si la carpe est dans le secteur, et puis bah, peut-être une belle commune du coin, quoi, qu'on a l'habitude de voir avec ses belles écailles et ses belles couleurs. Ah putain! Pas oublier qu'il y a un arbre. Ça commence. Ah, c'est le pêcheur là, c'est pas le vent. Ah, ça fait vraiment du bien de retourner au bord de l'eau. Bon allez, on va se dépêcher parce que le temps tourne et comme toujours, la tortue, les années passent mais ça change pas. Hein. Je mets toujours tant de temps à me préparer. Allez, aujourd'hui concernant l'amorce, je vous ai expliqué la stratégie. Maintenant, on va commencer par le mouillage. Donc là, je suis parti sur des paquets neufs par rapport à ce que vous aviez vu la dernière fois, avant les vacances. Si vous n'avez pas vu la vidéo, bah, je vous invite à aller la regarder en utilisant les amorces congelées, mais j'avais tout utilisé en fin de saison. Donc là, je vais partir sur une amorce F1, farine de poisson, bien sûr, micro-pelée.
Voilà, et je vais y rajouter, donc je vais faire du 50-50, je vais faire une petite quantité bien sûr, et de la Robin Red Margin. Voilà, donc je vais avoir quelque chose pas trop clair, mais pas trop sombre non plus, mais bon, j'ai pas de black, hein. Donc il faut faire avec. On va espérer, donc on est quand même sur un secteur où il n'y a pas trop de carnassier. Donc on va bien voir, le but c'est quand même de faire de la carpe, hein, vous en doutez. Allez, c'est parti, le mouillage. Donc ça, bien sûr, ça sera pour la cage, et comme j'ai utilisé une petite cage, je vais pas utiliser beaucoup d'amorce. On est parti pour une pêche de 4 heures maxi, grand maxi, quoi. Voilà, je vais essayer de faire 50-50. De toute façon, au mieux, c'est dans... Je préfère en mouiller, si vraiment c'était l'euphorie, mais bon. Là, il fait quand même que 5 degrés, 5-6 degrés, on va avoir un grand maxi 10 degrés. Alors, du Robin Red, de la F1 mélangé, 50-50, à vue de nez, hein. Je ne me prends pas trop la tête. Donc on va vraiment être quand même sur quelque chose. En mouillant, je pense que ça va s'assombrir un peu. Mais comme vous pouvez le voir, on reste sur une amorce assez claire quand même. Malheureusement, pour la saison. Mais bon, on s'adapte avec ce qu'on a. Hein. Ouais, je pourrais y rajouter, bien sûr, de la terre. Ce que font les pêcheurs figuristes. Mais j'en suis pas encore là. Et puis moi, je cherche pas vraiment... comme vous savez, hein, je cherche plus le gardon. Voilà. Moi, je cherche quand même plus la carpe. Bon, on va quand même avoir une amorce, je veux qu'elle travaille. Et puis, on n'est pas non plus dans des grandes profondeurs, donc si ça a l'air d'aller, ça va. Donc, on est sur une amorce pas trop claire quand même, ça va s'assombrir. On va dire, comme l'amorce, une 50-50, tout simplement. Et ça sent très bon. Donc, de toute façon, le mouillage... Hop, ça va être un mouillage en deux fois, je pense. On est sur des basses farines, donc de poisson, donc c'est ça va vraiment. Boire beaucoup. Voilà, donc là, elle est vraiment bien imbibée, je l'ai volontairement imbibée, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, ça me fait une amorce... on va dire marron, pas blanche ni noire, mais marron. Là, on voit des petites particules jaunes et tout, c'est bien ça, c'est ce qu'il y a dans le margine, des petites couleurs. Il y a du grain de maïs, il y a du petit pelé, enfin il y a tout ce qu'il faut là. Bon, on va la laisser gonfler. Ah, bien sûr, après j'ai pris le tamis, super important. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant et avec l'habitude j'ai fait. Le but du tamis, bah, vous voyez, là j'ai des grumeaux, c'est d'avoir une amorce bien homogène. Donc on va laisser gonfler, on regardera s'il faut la remouiller une deuxième fois. Et on finira par un bon tamissage pour avoir une amorce bien homogène, où toutes les particules sont bien mouillées correctement, pour qu'elle travaille très très bien dans le fond. Maintenant, si vous suivez mon activité, donc ça c'est pour la partie canne feeder à la cage, et l'autre côté à la méthode. Donc j'ai préparé des pelés de 2 mm hier soir, donc ils sont prêts, comme ça j'ai gagné du temps et ils ont eu le temps de s'imbiber. Et puis si vous suivez mon activité, j'ai fait une recette. Créer, c'est un grand mot, hein. J'ai été aussi comme tout le monde, hein, il faut aussi chercher un petit peu sur les réseaux sociaux, regardez ce que se fait, regarder un petit peu les idées de chaque pêcheur. C'est bien pour ça que je partage, et j'espère bien qu'en vous montrant cette recette, bah, d'autres pêcheurs auront d'autres idées, amélioreront cette recette, partageront. J'espère, le but c'est de partager. Hein. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de recette magique, mais c'est toujours intéressant, je pense, vu les prix des amorces aujourd'hui, de pouvoir. Et puis c'est toujours sympa de pouvoir. Faire son amorce soi-même avec les produits qu'on peut trouver dans les magasins, c'est ce que j'essaye de faire dans les supermarchés, d'essayer de trouver des produits qu'on pourrait utiliser tous les jours pour la cuisine et qu'on peut utiliser pour des amorces. Bien entendu, à un moment, il faut savoir s'arrêter, parce que si vous commencez à mettre trop d'ingrédients, l'amorce, elle ne va pas travailler comme il faut, parce qu'après, il faut trouver aussi dans la préparation de l'amorce, et c'est pour ça aussi qu'il faut utiliser des produits qui vont bien ensemble, qui travaillent, parce que
sinon ça fonctionnera pas, hein. C'est comme la cuisine en général, donc il faut faire attention, et puis quand on commence à en mettre de trop, bah après ça coûte trop cher, je trouve ça, donc faut rester sur des trucs simples, à la mode Titi bien sûr. Donc là j'ai fait une amorce tout simplement au frolic, voilà, donc là c'est du frolic broyé. Là on est en période hivernale, les eaux sont encore froides, c'est toujours intéressant d'utiliser des particules et le frolic, de toute façon c'est utilisé par les carpistes, ça a une bonne réaction, donc on va voir ce que ça donne. Moi j'ai essayé à la maison, ça marchait, maintenant il faut essayer au bord de l'eau bien sûr, et quand j'aurai jugé comme ça fonctionne, eh ben, je vous la partagerai. Donc là dedans vous avez du frolic, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc le mouillage c'est pareil, maintenant j'ai trouvé une solution, parce que par rapport à la morse au pain que j'avais fait à l'époque, je sais que j'avais eu des retours, la morse au pain, mix au pain, je pense que pour pêcher aux méthodes, si vous ne l'avez pas vu, bah, c'est toujours pareil, hein. Vous cliquez là, ça doit s'afficher si je fais correctement mon travail. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui l'ont vu, elle tourne toujours, donc c'est qu'elle plaît. Et c'était le problème, c'était le mouillage, parce que bah, le pain, ça absorbe vite l'eau, et du coup on se retrouve avec une bouillie, et après sur le méthode, soit ça colle, soit ça ne travaille pas comme on veut. Donc le mouillage est très très particulier, et j'ai trouvé une solution justement pour sauver votre mix, pour que ça fonctionne. Alors, je ne vais pas en faire non plus trop, parce que comme j'ai du pelé, le but c'est de commencer avec une amorce au frolic, et derrière, quand le poisson rentre, s'il rentre, je passerai au petit pelé. Là, vous ne sentez pas, mais ça sent super fort le frolic. Ça, c'est intéressant. Le mouillage, donc ça ne change pas que du mouillage d'avant. C'est qu'il faut y aller vraiment... Après, tout dépend des températures, c'est toujours pareil. Hein. Vous allez faire en ce moment, il fait froid. Donc, il faut y avoir intérêt d'y aller tout doucement dans le mouillage. Et puis, l'été, bah, ça s'évapore vite. Alors, on peut, si on loupe un peu, c'est pas trop grave. Faut bien. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Là, on peut faire, vous voyez. Ce qui est bien, c'est que là, vous la êtes... j'ai vraiment pas mis beaucoup d'eau, elle se désagrège tout seule. Le but, c'est vraiment que ça travaille. Dans l'eau froide, moi, je veux que ça travaille. Vous vous en doutez bien que j'ai rajouté dedans de la noix de coco. J'en raffole. Ce que je vais faire, un truc important, c'est... Ben, je vais tout simplement la tamiser pour que j'ai quelque chose d'assez homogène. Enlever les gros mots de pain. Par contre, les particules de frolic, je vais les remettre dedans, hein, bien sûr, c'est ce qui est important quand même. Quand je vous dis que c'est hyper important de tamiser, on voit les gros mots là de ma recette. Et là, on voit les petits, les petits pelés, on va dire, de frolic, et que je vais remettre dedans, bien sûr. Pour avoir quelque chose, c'est ce qui permet justement d'avoir un lien de l'eau passe pour que votre mix travaille correctement. Là j'ai quelque chose de parfait pour commencer. Donc là moi j'ai de la chance, j'ai pas loupé mon mouillage. Bon, je commence à en avoir mouillé quelques-unes, alors en fonction des quantités et tout ça, je sais à peu près l'eau qu'il faut mettre. Vous avez vu, j'étais à la main, il faut vraiment y aller tout doucement. Et donc je vous annonce, comme ça ceux qui regarderont la vidéo auront la solution. Et bien tout simplement, ce que vous faites, si vous loupez votre mix, c'est pas bien compliqué. Ah, il y a un petit peu de vent. Tout simplement, vous broyez du pain de mie, ensuite vous la mettez au four. Du coup, ça va faire une chapelure de pain de mie. Et cette chapelure, vous la gardez en sac, vous la mettez bien au sec. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est si vous avez trop mouillé votre mix au pain, vous remettez de la chapelure sec dedans et vous allez voir, cette chapelure sec va absorber l'eau et vous allez avoir quelque chose d'assez homogène et vous sauvez votre mix. Bien entendu, bon, il ne faut pas que ça soit non plus 100% liquide, mais quand vous voyez que c'est trop mouillé et que ça colle trop à votre méthode, bah vous faites des petits tests, vous rajoutez un peu de chapelure sec dans votre mix au pain et vous allez voir, ça fonctionne. Voilà. Alors je devais faire une vidéo pour vous montrer le truc, j'ai pas eu le temps, et puis bon, ça. Donc je vous la partage, et c'est nickel, et ça fonctionne très bien, j'ai testé plusieurs fois, donc là je peux me permettre de vous le dire. Allez, c'est parti, maintenant on va s'occuper d'essayer de faire quelques poissons pour commencer cette nouvelle saison. Allez, à tout de suite. Biou. J'ai l'impression que je suis planté de l'autre côté. J'ai vraiment tendu pour...
Allez, à la vôtre. Bonne reprise à tout le monde. Du bien. Ça fait du bien. Ouh. Bon. Putain, cassé. Décroché ou cassé. Dommage. Bon, première touche, les amis. J'ai dû casser. Ouais, j'ai cassé. Dommage. Bon, Madeline qui est partie. C'est pas de chance, c'est la pêche. Bon, bah j'ai remonté un bas de ligne. Voilà ce que je vous montrais. Nickel, je suis super content. En tout cas, au niveau structure, je ne sais pas ce que ça donne au niveau efficacité dans l'eau, mais bon, là je viens d'avoir une touche et j'ai cassé. Mais au moins mon mix frolique, comme vous pouvez le voir, il tient. Il est nickel. On voit bien, de toute façon, la structure, elle n'est pas surmouillée, elle est parfaite. Donc avec un bon méthode, avec de bonnes lèvres, hein, quand même il faut des lèvres pour maintenir un peu le mix, hein, de toute façon c'est normal. Vous voyez, hein, je vous montre, ça tient. Hein. Bon, pour le lancer ça tient, et à la pêche ça doit être nickel. Allez, on continue. Oh, je vous reprends direct les amis, là. Il n'y a rien à faire, hein. Si je pêche pas précisément, j'ai pas de touche. Là j'ai bien lancé au bon endroit. C'est parti, je pense que c'est une carte. Peut-être la première de la saison, le premier départ j'ai cassé. C'est en train de venir vers moi là. Ça n'a pas l'air d'être gros. On va bien voir. En tout cas, au frolic les amis. Le mix frolic, le mix à Titi. Ça fait plaisir, ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est une grosse brème. Allez. Ah ouais, un paveton de brème, dis donc. Alors on peut constater qu'une partie de mon mix est encore restée sur le méthode. Donc là, c'est le petit réglage à faire encore, mais... Hop. Allez, on s'occupe du poisson. Ils sont pleins de boutons en plus. Ah. Hé. Ça a eu ça? Premier poisson, une brème. C'est un signe, les amis, c'est un signe. La carpe m'en veut. En tout cas, joli poisson, et je vous montre pas, mais elle a déjà des boutons là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est impressionnant. Voilà, allez, magnifique. Hein. Les amoureux de la brème. Joli, allez, zou. Hop. Allez, on va essayer de faire une carpe maintenant. Petit gardon, on dirait. Ouais, c'est des touches de gardon, ça. Gardon ou carassin. Eh ben non, une plaquette encore.
Bon, ça va faire bientôt 2h30 que je pêche. Et j'ai quelques touches, des décroches. J'ai monté volontairement des hameçons plus gros pour essayer de toucher de la carpe. Et c'est peut-être pas la bonne stratégie. Parce que bon, je cherche pas la brème. Mais bon, ouais, c'est compliqué hein, quand même. Mais bon, je pense que je m'en sors pas trop mal quand même. Pour un début de saison. Je pense qu'il y a du potentiel à faire. Car les poissons sont en train de frayer. Vont frayer, donc elles se réunissent. Là, je pense que j'ai eu un banc de brume qui est passé tout à l'heure. J'ai pas ramorcé, c'est peut-être une bêtise. Et du coup, bah là, c'est un peu saccadé, quoi. Et je vais essayer, j'avais emmené du pain. Je vais peut-être essayer qu'un emporte-pièce. Je vais laisser là, il va sécher en plus. Je vais peut-être essayer qu'un emporte-pièce pour avec du pain pour voir si ça agirait pas plus vite. Comme j'ai monté un hameçon un peu plus gros. Ah, on va tenter ça à la place des asticots pour voir. Voilà. J'espère que ça va tenir en lançant. Par sécurité, je mets un petit grain, un petit, voilà. Vous verrez pas grand chose, mais là j'ai mis un chapelet de pain avec un petit asticot rouge pour voir, juste pour voir si ça déclenche pas plus vite les touches. Allez, on va y mettre du pelé. Un petit peu plus court que d'habitude. Je vais garder la canne sur ma jambe. C'est bizarre que j'ai pas fait de carassin encore. Ah, j'ai des tapes. L'avantage de pêcher à la tresse, je vois des petites tapes. C'est soit vraiment du petit alevin ou du petit gardon, mais. Bon, je suis désolé les amis, mais il y a des enfants. Et ça sait s'exprimer que qu'en criant. Bon, on va changer de taille d'hameçon. On va passer sur un hameçon un petit peu plus petit. Le pain, ça ne marche pas. Bon, tu me dirais que de l'autre côté, ça marche pas non plus. Je pense que le bon, il est peut-être parti aussi. Donc aussi de fête des gosses. Ah, j'ai eu l'euphorie pendant un petit quart d'heure. Le poisson était là. Mais il n'est pas resté. Ouais, je mets un beau bouquet d'asticots, comme vous pouvez le voir. Hop. Toc. Joli petit bouquet d'asticots. Allez, c'est parti. On va mettre un petit peu de blush dans l'amorce. Ah, on va reprendre comme on a commencé tout à l'heure. Voilà, allez, c'est parti. Yo. Parfait. Ouais, vous avez vu ce que j'ai préparé ce matin là. Vous avez vu en préparation. Là, il a asséché un petit peu. Il faudrait que je remouille un petit peu quand même. Vous voyez, par rapport à ce matin.
C'est ce que je vous disais, hein, le problème c'est qu'en fonction des saisons, du taux d'humidité et tout ça, votre mix il va pas se comporter pareil. C'est pour ça que c'est intéressant d'essayer un peu. Mais là on voit quand même des trucs sympas. J'ai ma main devant. Peut-être mieux comme ça. Voilà, vous voyez. Mais bon, j'ai fait des touches avec. Donc ça fonctionne. Bah, tout fonctionne, hein. C'est pas un appât miracle non plus, mais bon, comme je disais, le but c'est d'essayer de vous montrer des recettes avec des produits qu'on peut trouver facilement, quoi. Ça fait du bien quand les gosses s'en vont. Hein. Moi j'ai rien contre les enfants, hein. Il faut qu'ils vivent, on a été enfants aussi. Hein. Mais bon, quand on a la pêche, on aime bien le calme. Bon bah là je pêche aussi en centre-ville. Donc il faut s'adapter. Sinon, il faut payer, pêcher ailleurs. Voilà. Vous avez vu. Franchement, je suis super content. Il prend vraiment bien au niveau du moule. Pour le mouler, tout ça, nickel. Voilà, comme je disais, hein, j'ai enveloppé volontairement mon dumble dans deux couches de mix. Tout simplement, comme je lance vers l'arbre, si je m'accroche un peu. Déjà, c'est quand même plus facile de sortir toute méthode et la tige. Sinon, c'est généralement, c'est l'hameçon qui vient s'accrocher dans une branche et après, on casse, quoi. Donc, voilà. Donc, et s'il y a de la vase, en plus, bah, ça permet quand même de sortir le méthode de la vase. Et on est sûr que votre appât, il pêche encore, quoi. Ah. Ça insiste un peu sur le... J'ai toujours des petites tapes sur le Windows. Bon, bah, de toute façon, les appâts naturels en cette période, autant ne pas négliger quand même. Hein. Hop. Allez, on va gagner. Parfait. Voilà, je suis posé là. Là, je suis vraiment bien posé à l'endroit où je pêche. Malheureusement, vous n'avez pas vu où c'est tombé. Je pense pas. C'est en train de se tendre. Non, vous avez pas vu. C'est dommage. C'est un joli lancer. J'arrive pas à me repérer sur la caméra. Là, si c'est comme ça. Peut-être que si, vous avez vu. Donc là, on a. Je pense que là, c'est. Voilà, là, c'est l'arbre. Ici, là. Et là, je peux vraiment. Hop, c'est pas évident. Voilà, là, c'est l'arbre. C'est comme la météo. Et j'essaye de pêcher là dans le renfoncement, là, juste à côté de l'arbre. Il y a le poteau à côté. Et... C'est un bon spot. Je le connais bien. Mais le problème de ce spot, c'est qu'il faut pêcher précisément à un endroit bien précis. Sinon, ça part pas. C'est la complexité. C'est pour ça que j'aime bien le pratiquer en cette période. Parce qu'on a toujours la chance d'avoir un poisson bonus. Mais j'ai pas réussi à amorcer correctement ce matin. Et du coup, je regrette un peu. Peut-être que, du coup, voyant les brèmes qui sont en plein de boutons, je pense qu'elles vont commencer à frayer, donc elles doivent bouffer. Parce que pour en faire comme ça, accidentellement, on veut dire, parce que c'est pas ce que je cherchais comme poisson aujourd'hui. Quelqu'un qui pêche correctement, qui s'applique correctement aux méthodes, je pense, que, ou à la cage, il aura dû faire une belle pêche ce matin avec les brèmes, tant qu'elles étaient là, quoi. Ouais, je vais relâcher, je vais voir, mais... Ah, j'ai du poisson qui tape dans la... C'est du petit poisson, hein. J'ai changé la taille de l'hameçon, mais... Mais on apprend, comme on dit, hein, c'est en pêchant qu'on apprend, et bah, ça sert d'expérience, hein. On en apprend tous les jours. Là, je pense que j'ai encore un hameçon, vous voyez, encore un hameçon trop gros, là. Par rapport, mais j'essaye de cibler les poissons quand même un peu plus gros. Et là, il y a la pluie qui arrive. Va falloir que je protège le matériel. On va mettre un blanc, un rouge. Oh, fait chier, il devait pas pleuvoir. Alerte générale. Ah, oh, zut.
Allez, cherchez-le. Parce que ça, c'est de la pluie fine, mais elle mouille. Hop. Ah, les gosses. Comme vous pouvez entendre, les gamins arrivent. Donc, de toute façon, j'avais pas prévu de pêcher toute la journée. Il faut que je prépare mon matériel pour demain. Donc, du coup, conclusion de cette conclusion, ça pêche encore. Il y a eu une euphorie pendant on va dire une grosse demi-heure avec j'ai commencé par une touche, une casse, et après c'est enchaîné quelques poissons. Bah, quelques poissons, j'ai fait en fait je fais quoi, trois plaquettes, trois, deux belles brèves et une plaquette. Bon, c'est pas terrible, mais bon, pour une reprise je suis assez content. Je pense que j'ai loupé ma pêche ce matin. Bah, après c'est pareil, hein. Vous le savez très bien, faire de la vidéo et pêcher, c'est jamais évident. Et je pense que si je m'étais appliqué pendant que la brame était là, peut-être même pêcher qu'à une seule canne, j'aurais dû en faire un peu plus, quoi. Mais bon, c'est comme ça. J'ai l'euphorie, je me suis ramassé. Mon mix au frolic, bah écoutez, ça a l'air de fonctionner. Bah, à confirmer, bien sûr, ça a l'air de fonctionner, c'est relatif, hein, ce que je dis, bien sûr. J'ai fait du poisson avec, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Après, ça marche. Après, j'aurais peut-être utilisé autre chose, ça aurait fait peut-être plus de poisson. Ça, c'est avec le temps et l'expérience qu'on verra. Mais de toute façon, les deux postes se sont éteints. J'ai quelques touches, du passage en fil sûrement, des tirettes et ça relâche. Mais là, le poisson, il est parti. Du moins, il n'est pas dans le secteur où il ne mange pas. Où j'ai tout simplement aussi, peut-être que mon approche que je fais d'habitude d'amorcer, j'ai pas voulu ce matin amorcer des grosses cages pour faire peur aux poissons, mais peut-être que si je l'avais fait, bah, j'aurais maintenu les brèmes, les grosses brèmes sur mon cou, et j'aurais peut-être déroulé un peu plus, c'est ce qu'il faut dire. Mais ça, on ne saura jamais, hein, c'est l'expérience, on apprend, c'est ce que je disais tout à l'heure. Écoutez, bah voilà, c'était le premier film de la saison 2024. J'espère que vous aurez quand même passé un agréable moment. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à vous partager cette pêche, tout simplement, comme si vous étiez avec moi. Et puis, bah, si vous voulez, vous pensez au petit like, hein, ça aide la chaîne, et puis ça montre que vous l'avez regardé et que vous avez aimé. Et puis, bah, continuez bien sûr à commenter, hein, j'adore échanger avec vous, hein, c'est le but aussi de YouTube, c'est d'échanger. Dites-moi ce que vous auriez fait. Moi, je vais tout simplement remballer tranquillement. Et on se dit à très vite pour d'autres aventures. Allez, ciao. Voilà les amis, c'était la matinée brème. Je rends les studios ici la Normandie. Salut YouTube. On apprend vite, mais bon, hormis que je suis toujours une tortue, ça change pas. Je suis arrivé de bonne heure, il est déjà 9h30 et je pêche pas encore, donc vous voyez. Mais là, je profite de cette matinée ensoleillée parce que, comme la plupart d'entre nous, on pourra dire qu'on a eu un hiver doux, mais alors qu'est-ce qu'on a pris comme sur la tronche avec l'eau. Et là, c'est bien plein, ça va, il déborde pas celui-là, mais il y a des endroits où je peux pas pêcher aujourd'hui parce que tout simplement, on sait même pas où sont les berges.